police n'avait encore jamais rien vu de tel dans ce qu'il est maintenant convenu d'appeler la maison des horreurs. Jacques Beaulieu, le père de famille, est présentement détenu dans un hôpital psychiatrique, mais la fille du couple, elle, Michèle Beaulieu, une adolescente de 17 ans, est toujours en fuite et la police n'a aucune trace d'elle. Elle est d'ailleurs le suspect numéro un du meurtre du directeur de son école. La police se demande pourquoi la jeune fille a pris de tels risques. 3 jours après l'arrestation de son père, quelque chose avait disparu de sa chambre. Michèle Beaulieu serait revenue chez elle chercher un de ses dessins représentant une reine vêtue de rouge.